Offrande du jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. Disposons-nous pour l'action de grâce. Seigneur Dieu, pour ce jour nouveau, sois loué jusqu'au plus haut des cieux, pour ce don inestimable qu'est la Vierge Marie, notre Mère. Notre-Dame, par ta conception virginale, tu nous donnes l'exemple de l'amour le plus pur et du don total. Aide-nous à suivre cette voie. Amen. Dans le silence du cœur, engageons-nous en prenant des résolutions. Et maintenant le psaume 23. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutienne également en ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions.
Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul Mickey et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.